Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une draft d'entraînement sur serveur tournoi. On est en B, c'est parti. On va ban Forge Lance, je pense. Ça me ban Faker. J'avais ban Lenny. Xel, c'est ambitieux ça. C'est très ambitieux. J'hésite. Je vais faire speak, sacré. Advienne que pourra derrière. Ban the ball. Ça me banne le panda. Ok. Je vais devoir ban le Sadie, je pense. C'est pas évident là. Ça me banne le Steam, ouais, ça me fait bader. Le problème c'est que je sais pas bien jouer Roublard, sinon j'aurais pris Roublard là, je pense. On va prendre les cas. C'est un peu ambitieux. Là, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas de boost PA et que le Xelor peut jouer retrait PA et je vais être très très embêté s'il fait ça. Ah, là, il y a deux retraits PA potentiels en face. C'est très complexe. Il y a deux boost PA retrait PA, j'ai zéro boost PA retrait PA. Je me suis un peu fait arnaquer sur la draft là. Je pense qu'il faut pas que je lui laisse le yop là-dessus. Oh, ça prend Enu. Je vais me faire oblitérer. Ah, ça va être un OG là-dessus. Hein. Pour ce qui est des modes, j'ai choisi un Sacrieur Feu dommage distance. Très très atypique pour moi, je ne joue quasiment jamais le Sacrieur Feu, mais là je me suis dit que ça pourrait un peu jouer l'effet de surprise et ça me donnait accès à des bonnes esquives PA avec le mode avec Chien-Chien Tigré, Corset de Misère et compagnie. Je joue sans Pritech, avec un Turquoise 4 feuilles, double ceste, option assez offensive, avec tout de même un marteau possédé s'il y a besoin de soigner un pote. L'Eka Flip et Feu également, lui avec un peu une autre variante, sachant qu'il n'a pas besoin de calque de soin. Petit Forge Lave, des fois qu'on se fasse un petit peu balader par le Xelor, le Roublard, et pas de Pritech non plus. Et toujours pas de Pritech sur l'Ugin R avec un mode R avec une variante esquive PA, mais tout de même une Crocobure, ce qui est assez ambitieux. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Xelor R. Ouais, je suis un peu léger en R sur l'Ugi. Pour les recrits. Ça sent le roublard feu, ça. Hein. Ammo. Le bouclier offensif. Ok, ça va être Xel et Nu. Pourquoi je prends déjà des dégâts? Ah oui, c'est la crocobure, c'est marrant ça. Ouais. Bah, écoutez. Alors, cela dit, ça peut être pratique pour poser mon héros. Je n'ai pas d'autre choix que de taper mon roquet, là ça me fait un peu bader parce qu'il me rend bien cher, mais. Ça tacle les nus. Là, on est en mode pas le temps de niaiser, hein, que ce soit bien clair.
On y va, quoi. On n'a qu'une vie. Sinon, c'est le Xel qui va dominer le placement. On va essayer de voir ce qu'on fait, quand même. Il me faut nécessairement l'odorat. J'avance de 3 cases, je dos. On fonce. Bon, bah, ça va être focus et nu. J'aurais préféré le Xel, mais le Xel, il est un peu trop reculé, là. Je joue sans pretext, c'est pas forcément malin pour foncer dans le tas comme je fais, mais let's go, on y est maintenant, on assume. Je vais manquer 2 PO malheureusement. Le nu prend un petit coup de pression quand même. Ah, la désinvoque au cac, one shot, ça fait bader. Ça fait beaucoup bader même. Ok, la pelle, ça joue un peu défensif en mode tortue. Bon, le sacré va pouvoir rush un petit peu. Petit coup de gisement, ok. Qu'est-ce que j'ai comme sort? J'ai le ravage qui peut me permettre d'avancer pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai tout pile la PO d'y aller. Ravage. Il me faut ma muti. Qu'est-ce que j'ai comme belle zone de débile là? Ça, ça baisse mes PV. Ça minimise le soin en face. Ça, c'est du vol de vie, donc on va y aller comme ça pour l'instant. J'aurais peut-être pu péter la musette avec... Ah oui, il n'y a pas besoin de cliquer sur la... Ah, j'aurais peut-être pu... Ah, j'aurais dû le mettre là, j'avais la musette. Je suis trop con, putain. Je pensais qu'il fallait une cible. Bon, je joue jamais sacrifeu, donc c'est un peu la découverte, c'est le but. L'Eka qui se fait full ral. Ça joue pétrif. Ok, donc c'est du ral avec pas mal de dégâts. Je suis à deux doigts de switch mon focus sur le Xel. Ou alors je force sur les. Non, je vais forcer sur les nus. Il a double perso feu, donc je vais jamais lui tomber qui que ce soit en fait. Cela dit, je peux faire un petit coup de dégâts comme ça. Je tue pas la musette là. Bon bah c'est mort. J'ai complètement failli mon early. Je pensais, pourquoi j'ai pas les dégâts? J'ai mon mode avec des esquives là, j'ai pas du tout le mode air habituel. Alors moi je suis à 370 la carcasse, là j'ai rien tapé. Catastrophe. Oh c'est badant, je faisais une case de décaler le sort du sacré, je tuais la musette, bah là la nuit après 0 dégâts. Hein. C'est terrible. Ça fait complètement bader. Est-ce que le tourien passe le kill? Ça devrait aller. Ben là, pour la zone qui prend, ben là, il serait... Ok, j'ai mis ce clic en plus, super. Aïe, 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 c'est catastrophique. Est-ce qu'on n'ira pas chercher un max de zone par hasard? Bon, par contre, ce que je peux peut-être faire, c'est ce genre de dinguerie là. Et co-signé toujours buggy en 2023, ça régale. Bah super, et Lenuc a pris 0 dégâts sur le tour de Lugie, alors qu'il aurait dû se faire démolir. Ça fait un petit peu bader. La bonne nouvelle, c'est que le Sacri va venir nettoyer la map. On va partir sur une map vierge. Là, je vais les taper dans le tas, ça va être magistral. Eh bah, la corrupte, c'est parti. Bah, GG à lui. GG, jeune homme. Ah, c'est triste en vrai. Triste de perdre comme ça. Je vais essayer de la jouer quand même, mais bon. Je peux lâcher une perfusion comme ça. Tac, tac. Petite maîtrise. Quoi, je suis corrupt? Mais très bien, pas de soucis.
Il y a quoi, il a sa pelle là, il y a le Xel qui joue derrière. Je vais me mettre là. Icon le Xel. Icon le garçon là. Il est taclé par contre, ça c'est cool. Attends, j'ai pas beaucoup de tacles. Il doit pas avoir des masses de fuite. J'encaisse très bien le retrait PA. Les 616 esquives, là j'ai bien géré mes modes avec les esquives. C'est logique qu'il serait le plus sensible au retrait, mais en vrai je m'en sors pas trop mal. Et là. Et quoi, il est en état. Attends, mais c'est beaucoup trop comme état sur sa bombe là. Les nus, faut que je lui remette les héros. On va venir chercher le kill à la crocobure. Là, ça commence à me faire peur son roublard. Bon, 16 PA sur le roublard, j'aime pas tellement trop ça. Les nus commencent à prendre un peu de pression, moi j'ai pris beaucoup d'héros. C'est les Dagoumrang hein, qui m'ont mis au fond. C'est un peu la sauce. Ah, le roublard qui est RR. Hein, on... J'ai un peu peur du burst là, je pense que j'ai plus d'éca peut-être. Hein. Ah, ça sent le misclick là, les moins 4, non? Alors il prend la zone. Ah, l'héros que je prends, c'est ingérable. C'est ingérable. Comment je suis censé faire moi? Ça sert à rien de mettre un chaton, j'ai plus de PV max déjà. Je vais y aller comme ça. Compris. Compris. Ok, ça régale par contre. Contre-coup maintenant ou pas? Je pense que oui. Hein. Après là, le nu, il a plus de corrup. Est-ce qu'il rejoue les nus en vrai? Je connais pas du tout mes dégâts en sacri. Le problème, c'est que j'ai toujours pas nettoyé le cadran. Ça, c'est un gros problème. Bah, ma foi, j'ai limite envie de tenter ma. En termes de PO, j'ai quoi là? Est-ce que je lâche pas mon meilleur berserk sur les nus? On n'a qu'une vie, on est en entraînement. Pas du tout la zone qu'il me fallait. J'ai pas le temps de finir le tour, c'est une catastrophe. J'avais le kill largement. Je suis dégoûté, j'ai jamais le temps de jouer, ça me gave. Bon bah tant pis. C'est très 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 unlucky ça. Pas le temps de finir. Je prenais 500 de shield du tacheté. Ça me faisait peut-être avoir une chance de tanker. Ça va être badant, ça, pour le coup. Après, je joue jamais le mode sacrifeu, donc c'est normal que je sois pas à l'aise dessus, mais c'est énervant quand même. Hein. SPH, je suis mort, je pense. C'est relou, c'est relou. Je pense qu'il me pète un ou deux persos là. Après, logique, 41% terre. Il est taclé. Le sacré a quand même tous ses états de souffrance. Le cadran, je comptais le tuer au tour 1 avec des dégâts de zone, il a absolument rien pris finalement.
malaise, ouais, effectivement, je comprends pas pourquoi je suis encore en vie là, c'est un peu bizarre. Déjà, on va venir chercher ça comme ça, je pense. Je passe avec deux PA. J'ai vraiment un problème, hein. Je suis attardé. Hein. Là, je peux rien détacler, du coup, c'est génial. Ah, mais hostilité, ça pousse. Ah, bah, faut me dire aussi. Ok. Il me faut 1, 2, 3. Je vais jump pillory tout de suite. Moins 4, j'ai 5 PA. Ça fait. Ça fait ça. Tac, tac. Cadran toujours en vie, c'est un scandale. Logis devrait pouvoir tanker. Bon, il y a eu du fail, mais bon. C'est vraiment dommage le tour où j'ai pas tué la musette avec le sacri, c'est vraiment ça qui m'a mis au fond. L'ennemi serait mort un tour plus tôt. Par contre, le roublard est pas bien là. Moi, j'ai des carcasses qui commencent à être bien boostées. Elles vont être boostées de 24 à mon tour là. Je prends du râle, logique à 84 d'esquive, hein. C'est un peu plus faible que le reste. On va y aller sur le robe. Hein. Ah, j'ai l'ébène, j'avais un doute. J'étais pas sûr d'avoir l'ébène. Hein. C'est trop compliqué de demander d'avoir une icône en début de tour quand t'as ton ébène dispo. Bah là, mon tour est flingué, fallait que je fasse le molosse en premier. Sam, gars, bon, il va me tuer, du coup, super. C'est vraiment trop. Ah, ça trigger, ça fait longtemps que je demande qu'ils mettent l'ébène en début de tour, que t'es genre un ébène tout blanc, quand t'as zéro stack, mais pour qu'on te mette que tu l'as en fait. Quand tu joues trois persos avec certains qui ont un ébène, certains qui l'ont pas, c'est hyper pénible de suivre les ébènes dans le combat. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je pense que je suis quand même assez tanky pour tanker là, mais je sais pas, je les vois à 16 PA depuis le début du match en fait. Bon, GG.